Alors Caroline, bonjour. 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 Je sors de ce spectacle qui m'a enchanté. On a un petit peu un aperçu de tous les airs un petit peu connus du classique qui sont un petit peu remis au goût du jour, soit par la pub, soit par des reprises. Et vous, en fait, vous êtes amusé en fait à en faire un spectacle. Vous êtes connu, je crois, en 2008, c'est ça? Comment ça s'est passé en fait au départ? Oh, c'est assez simple. On est deux violonistes avec des amis communs et on s'est dit tiens, si on essayait de jouer ensemble, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de répertoire de duos de violon. Il a fallu un peu créer, à part les duos de Bartok, oui. On en reprend un dans le spectacle. Voilà, ou des concertos pour deux violons, mais c'est vrai que du répertoire pour deux violons, il y en a très peu. Alors du coup, on a cherché ce qu'on pouvait faire. Alors c'est vrai qu'on reprend de la musique classique qu'on arrange pour deux violons, mais pas que. Il y a des tangos, il y a de la musique klezmer, de la musique de l'Est. On fait un bout de Handel. Musique d'Amérique du Sud. À la base, on a commencé le projet plutôt... On faisait plutôt des concerts, en fait. On n'avait pas vraiment créé de spectacle. Ça a été un peu plus tard. Ça a été quoi le déclic en fait? Pourquoi en fait d'un coup voir s'amuser justement à peut-être l'air de rien justement vouloir bifurquer sur un petit peu plus de fantaisie? Je crois qu'on avait aussi envie d'amener la musique qu'on jouait à un plus large public que le public entre guillemets qui vient au concert classique et qui est assez habitué du concert classique. Enfin, on voulait essayer d'ouvrir à des gens qui sont pas du tout dans cet univers. Et puis c'est aussi pour ça qu'on a pris le choix de faire vraiment pas que de la musique classique, de faire un vrai voyage, de proposer un vrai voyage musical et dans le monde et dans le temps. Et assez vite, on s'est dit, bon, c'est sympa, mais si on pouvait mettre tout ça en scène, je pense qu'il y aurait moyen que ça soit encore plus rigolo. Et puis envie aussi de rigoler nous-mêmes, quoi, de se moquer aussi des fois un peu du musicien classique. Mais pas que, hein, on se moque pas que de ça. Et alors donc le fil rouge, donc, ça donne un spectacle assez, assez bien enchaîné finalement. Quelle trouvaille en fait vous avez pu faire justement tout au long de ce spectacle? Vous avez fonctionné en improvisant justement sur des choses comme ça ou... Alors par exemple le passage du milieu où on est un peu en duel, on va dire... où on joue sur un violon avec les deux archers, bah ça c'est des improvisations qu'on a fait. On a testé plein de choses corporellement pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et est-ce que ça marche? Parce qu'il y a des choses qui marchaient pas aussi. Oui. Du coup qu'on n'a pas repris, mais... C'est leur metteur en scène aussi qui a dit il faudrait jouer à deux sur le même violon, ça serait bien à un moment donné de vous endormir, ou qui leur a donné des challenges physiques en fait. Alors, donc, vous avez respecté ces consignes et comment vous avez justement décidé de faire ce spectacle, en fait, donc qui s'appelle Un air de violon, qui fonctionne depuis quelle année, en fait, maintenant? Alors, le spectacle... C'est une création 2016, hein, le spectacle. Voilà. Oui. Un air de violon, c'est le duo. Oui. Et on a commencé à travailler dessus il y a une petite année et on l'a abouti, donc là, pour Avignon, un air de violon s'invite au théâtre avec une mise en scène, donc, de Patricia Thévenet. D'accord. Cet art de violon va se propager avec d'autres spectacles, ou est-ce que vous allez en fait pour l'instant rester avec celui-ci, donc qui s'invite au théâtre, peut-être en le mettant un peu plus dans les petits plats dans les grands en fonction des théâtres ou... Là on a une forme spéciale Avignon qui est relativement courte, on a une forme en fait qui est un peu plus longue, on va essayer déjà de bien le développer, de bien le faire vivre, il a été joué que à Avignon. La France est grande, le monde est grand. Voilà, on aimerait le jouer. On aimerait le jouer de partout avant de passer au suivant. Mais dans l'idée, oui, il y aura sûrement un spectacle, un prochain spectacle. Oui. Et puis dans l'avenir, je pense assez proche, c'est que pour l'instant, on a pris le parti de jouer acoustique. Oui. On n'a que deux violons, donc on va être limité pour l'instant aux salles
soit qui ont une très bonne acoustique, soit des théâtres pas avec une très très grande capacité. Donc on va être obligé de passer à mettre un micro. Donc ça va amener d'autres choses. Ça complique un peu la chose. Ça complique, mais en même temps, ça va amener d'autres choses, notamment de travailler avec des effets, des choses qu'on gère et qu'on maîtrise avec, dans d'autres projets, que pour l'instant, on ne pouvait pas faire. On avait pris ce parti d'acoustique parce que plus simple. Mais je pense que ça va venir dans un moyen terme, un court moyen terme. D'accord. Déjà, rien que les effets au niveau visuel, en fait, vous avez des passages complètement inattendus, en fait, où on se retrouve complètement dans une autre ambiance. Il y a des passages, en fait, où effectivement, vous êtes dans le public. Oui, c'est une volonté qu'on a d'aller dans le public parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a une grosse barrière entre le public et le violoniste dans l'habitude. Et en fait, de nous voir proches, nous, on aime bien aller voir les gens. Et puis, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce qui se passe au niveau des doigts aussi près. Quoi. Il y a des salles où on a pu se glisser vraiment à l'intérieur des gens. C'est un moment qui est sympa. Ouais. On n'a pas souvent l'occasion d'être assis à côté d'un violoniste qui est en train de jouer. Et c'est vrai. Bon, c'est un peu dangereux, mais... Oui, c'est vrai. Et ça va.